Un discours de 1h30 donc. Alors je remercie tous ceux qui sont présents. Ça va, je peux parler, c'est bon. Donc je remercie monsieur le député maire Michel Francex, mesdames et messieurs du conseil municipal qui nous fait le plaisir de venir. Je remercie notre professeur Nadège Douverne qui est absente, mais qui nous fait d'excellents cours, qui a une patience infinie avec nous. Et vous pourrez admirer... Elle vient d'où, notre professeur? Elle est de La Boissière-Montelle. Très bien. Voilà. Je remercie aussi tous les adhérents qui ont travaillé toute l'année et tous ceux qui se sont investis pour préparer cette exposition. Je les remercie pour leur enthousiasme et pour me supporter au fil des temps. C'est dur, pas, c'est... Je remercie mon mari, tiens, parce que pour une fois qu'il est là, je le remercie parce qu'il vit entouré de mes tableaux, c'est pas facile. Et grâce à la mairie, nous avons obtenu la mise à disposition de la salle Gérard Philippe, une journée de plus, donc merci. Je voudrais dire aussi que j'espère que notre association va continuer à vivre dans la convivialité que nous connaissons, qu'on va continuer à peindre, dessiner, travailler, progresser, on l'espère, et avoir aussi de nouveaux adhérents pour amener encore du sang neuf l'année prochaine. Voilà, on vous sera les murs. D'avoir comme ça une association comme la vôtre, dont toutes les choses se passent dans la bonne humeur, d'une façon bénévole, mais dont on voit aussi, permettez-moi de le dire, que chaque année ça progresse. J'ai vu un certain nombre de tableaux, alors je ne vais pas dire c'est celui-là par rapport à celui-là, ça serait d'abord... Je vais vous montrer les mots, vous allez dire celui-là. Oui, de toute façon, c'est le seul que j'ai vu en premier, bien entendu. Non, mais... et puis, de toute façon, la peinture, c'est une question technique, mais c'est aussi d'abord une question de cœur. Picasso disait d'ailleurs, c'est pas ce qu'on voit, c'est pas le visage, c'est ce qu'il y a derrière le visage. Et je ne sais plus qui, mais qui était très bien aussi, disait, quand on regarde un tableau, on doit se poser plus de questions après qu'avant de l'avoir. Donc la peinture, c'est pas uniquement et puis c'est le sentiment qu'on a les uns les autres. Il y a eu un coup de cœur sur celui-là, il y a eu quelque chose, c'est donc l'addition à la fois. Plus la technique est bonne, mieux c'est, hein. Je ne suis pas en train de vous dire ne travaillez pas. Mais il y a aussi une sensibilité, un certain nombre de choses qui sont particulièrement importantes. Donc ça c'est bien. Le deuxième manque, que vous arriviez à rassembler le maximum de personnes autour et que cela augmente, ça c'est encore mieux. Que ça se passe d'une manière bon enfant, comme je le sais, ça me paraît tout à fait important. Donc s'il y a l'amitié, la convivialité, le partage et le talent, que vous dire le maire de plus? Il est simplement comblé. Essayez de faire en sorte que cela continue. Je sais bien qu'à un moment donné, il y a un problème de moyens, il y a un problème de salle, il y a un problème... Et il faudra se poser les questions dans les 2-3 ans à venir. Mais j'arrive pas à aller tout à fait au rythme de mon tissu associatif, dont l'ambition est chaque année. Il y a 12 associations de plus, il y a le double d'adhérents. Qu'est-ce que vous faites, monsieur le maire? J'essaye de construire avec un peu de temps de retard des équipements qui sont nécessaires. Bravo en tout cas à la présidente et à tout le bureau, parce que c'est toujours une équipe. Bravo à tous ceux qui finalement se passionnent. Il n'y a rien de plus extraordinaire que de voir des gens qui à un moment donné se disent bah, « ça m'intéresse, ça a éveillé quelque chose en moi » et tout ça me paraît aller... Finalement, ça s'appelle aussi la citoyenneté, tout ça, dans toutes les formes. Donc bravo à tous. Et merci. J'ai été un peu long, mais je m'arrête. Et alors maintenant, je vais être beaucoup plus distinguée que l'an dernier. Je vais vous demander de vous approcher du buffet pour vous restaurer et vous désaltérer. Alors là, je n'irai pas aller en bois. C'est un très bon passage. On n'ose pas s'approcher. Monsieur, alors on y va. C'est messieurs. Vous êtes une spécialiste artiste peintre aussi? Tu vas t'en prendre une. Je me sens.
Non, parce que j'ai pas mal de cerveau. Non, ça c'est avec du pamplemousse et ça c'est avec du cassis. C'est le plus mystérieux. Ah, bon. Ah, bah, je préfère alors, j'en fais une fois. Mais c'est du rose et il y a un peu rose et là. Thank you.
Tête là, en cherchant bien, tu vois une tête de singe, regarde. Car tu vois deux yeux, un nez et une bouche un peu bas. Thank you.
chez Deux Femmes Modernes. Deux mondes complètement différents, ouais. En fait. J'ai celui-ci, qui est donc un gros point rouge, c'est donc une image un peu surréaliste. Donc là, on a a priori, une femme revancharde, une certaine agressivité, en fait, hein, dans cette image-là. Et la deuxième, au contraire, on a une impression complètement différente, avec une femme un peu... comment dire, on voit uniquement un peu comme un tchador, en fait. D'accord. Hein, voilà. Celle-ci, c'est... C'est une autre façon d'aborder la femme. Il faut que tu les montres toutes les deux, alors. Il faudrait, oui. Mais celle-ci, c'est pas une affirmation, hein, c'est pas ça la femme moderne, c'est simplement, en fait, c'est presque une question, c'est-à-dire, ou une proposition de ce que pourrait m'évoquer, en fait, une femme d'aujourd'hui. Donc, en fait, bon, il y a la déformation, hein, déjà, qui crée un effet, un espace autour du manse, mais ça crée un espace vide. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, si vraiment je poussais complètement l'explication, cette femme, en fait, revancharde, est-ce qu'elle n'arrive pas à l'inverse de ce qu'elle veut, c'est-à-dire elle veut être libre, elle veut être forte, mais en fin de compte, est-ce qu'elle ne fait pas le vide autour d'elle ? Il y a l'amitié, la convivialité, le partage et le talent, que veut dire le maire de plus ? Il est simplement comblé. Je remercie aussi tous les adhérents qui ont travaillé toute l'année et tous ceux qui se sont investis pour préparer cette exposition. Je les remercie pour leur enthousiasme.